jour, en fouillant dans ma poche, je trouve une pièce de 5 nouveaux francs. Je me dis, chouette, je suis riche, je vais pouvoir m'acheter une maison. Chouette, il est riche, monsieur Pierre. Il va pouvoir s'acheter une maison. Il est riche, monsieur Pierre, il est riche. Et je cours aussitôt chez le notaire. Dans les 500 francs? Anciens naturellement. Ah non? À 2 millions? À 5 millions? À 10 millions? À ce moment, le notaire se frappe le front. Frappe le front! Frappe le front! Frappe le front! Ah oui, une petite maison. Sur la grande rue. Avec une chambre. Une cuisine! Salle de bain! Living room! Pipi room! Placard au balai. C'est bon, j'achète et je signe le contrat. Croyez-vous? Comment, Dorian, Dorian? Enfin, quoi? Cette maison, elle existe. Elle est solide au moins. Elle ne va pas me tomber sur la tête. Alors, qu'est-ce qu'il y a de drôle?
Je prends la clé, je sors et je vais visiter la maison. Elle était, ma foi, une fort jolie petite maison. Sur la grande rue, avec chambre et cuisine. Allez, en route. Je vais frapper chez mon voisin de gauche. Bonjour, voisin. Je suis votre voisin de droite. C'est moi qui viens d'acheter... une petite maison. Je vis le bonhomme qui devant tout part. Il me claque la porte au nez. La porte au nez ! La porte au nez ! La porte au nez ! Moi, sans malice, je me dis. Tiens, quelle originale ! Et je vais frapper chez ma voisine de droite. Bonjour, voisine. Je suis votre voisin de gauche. C'est moi qui viens d'acheter... Je vois la vieille qui joint les mains, me regarde avec infiniment de compassion et se met à gémir. Ça, je commence à m'inquiéter. Enfin, chère madame, pouvez-vous m'expliquer à la fin ? Excusez-moi, mon bon monsieur, j'ai bien moins de l'enfant, ça ne peut pas qu'elle vole ! Et pan, elle me claque la porte au nez. Cette fois, la colère me prend. Je retourne chez le notaire. Ma maison. Et si vous ne voulez pas, je vous casse la tête. Je vous casse la tête. J'attrape le gros cendrier de verre. Me calmer, m'asseoir, parler d'abord. Thank you.
ta maison est hantée. Hantée par qui? Par la sorcière du placard, au palais, au palais. La sorcière, au palais, au palais, au palais, au palais, au palais, au palais. Je l'ai visité ce placard, il y a un quart d'heure. Je n'ai pas eu de sorcière. Tranquille, elle reste là, bien sage, dans un placard. Mais attention, si vous avez le malheur de chanter, sorcière, sorcière, au placard à malheur. De me chanter une pareille ânerie. Maintenant, je ne vais plus penser à autre chose. C'est exprès, c'est exprès, 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 c'est exprès, c'est exprès, c'est exprès, exprès, exprès. Et comme je l'ai sauté sur lui, le notaire s'enfuit par une porte dérobée. Chez moi en me disant, essayons d'oublier cette chanson idiote. Facile à dire. Des paroles comme celle-là ne se laissent pas oublier. Mais, au bout d'un an et demi, la maison, je la connaissais, elle m'était familière. Alors, j'ai commencé à chanter la chanson pendant le jour. Aux heures où la sorcière n'était pas là. Et puis dehors. Et puis la nuit dans la maison, mais pas entièrement, je disais simplement. Sorcière, sorcière, dans ton plat. Il me semblait alors que la porte du placard se mettait à frémir. Mais comme je restais là, la sorcière ne pouvait rien. Alors, voyant cela, je me mis à en dire chaque jour un peu plus. La porte frémissait, tremblait, ce que la sorcière devait rager à l'intérieur. Et je me suis mis chaque jour à en dire un peu plus. Sorcière, sorcière, dans ton placard, prends garde, attends ton ton. Ce petit jeu s'est poursuivi jusqu'à Noël dernier. Cette nuit-là, après avoir réveillonné chez des amis, je rentre chez moi, un peu pompette, en chantant tout au long de la route. Sorcière, sorcière, dans ton placard à balai. J'arrive dans la grande rue. Sorcière, sorcière, dans ton placard à balai. Je m'arrête devant ma porte. Prends garde, prends garde. Je sors la clé de ma poche. Attends. Je tourne. J'entre, je retire la clé. Attends, attends, attends.
Je referme la porte, je m'engage dans le couloir. À ton derrière. Zut, ça y était. Cette fois, je l'avais dit. J'entends tout près de moi, une petite voix, pointue, aigre, méchante. Pourquoi dois-je prendre garde à mon derrière? C'était elle. La porte du placard était ouverte. Bien entendu, j'essaie de m'excuser. J'ai compris. Si une seule de trois n'est pas capable de me la donner, vous disparaissez pour toujours. Sinon, vous m'emportez. Il faut que je réfléchisse. À ce soir, Madame la sorcière. Je me tâte, je me fouille les méninges, et tout à coup, je pense aux deux petits poissons magiques de mon ami Bachir. Je fonce sur Broca. Tu as toujours tes poissons rouges? C'est bien vrai qu'ils ont l'air magiques. Je me penche sur le bocal et je raconte tout. J'avais compris. Je remercie Bachir et je rentre à la maison. Dans le couloir, la sorcière m'attendait. Donne-moi des bijoux en caoutchouc qui brillent comme des vrais. Alors, donne-moi une branche de l'arbre à macaroni. Qui se ratatine, qui rapetisse, qui rabougrit, qui se dégonfle et se défait. Bientôt, je n'ai plus devant moi qu'une grosse grenouille verte avec plein de cheveux sur la tête qui se traîne sur le parquet. Voilà
quand vous viendrez me rendre visite, soit de jour, soit de nuit,